Munificence, magnificence. C'est quoi la différence? Magnificence et munificence sont des paronymes. Ce sont des mots qui se ressemblent, mais dont le sens est différent. Et donc, il faut faire attention. La magnificence est la qualité de ce qui est magnifique. Par exemple, la magnificence d'un texte, pour parler d'un texte magnifique. La magnificence de la vie, la magnificence de la nature, ou encore la magnificence de Dieu, sont souvent utilisés. Le langage, dans la magnificence de ses phrases, n'a rien d'aussi varié, d'aussi éloquent que la correspondance des regards et l'harmonie des sourires. Les synonymes de magnificence sont l'éclat, la somptuosité, la splendeur. L'éclat, la somptuosité, la splendeur. Et le contraire de la magnificence, c'est, oui, la médiocrité. Et il ne faut pas confondre magnificence et munificence. La munificence, qu'est-ce que c'est? C'est une disposition d'esprit à donner largement. La munificence, c'est la grandeur dans la générosité. On évoque souvent la munificence royale, la munificence d'un État, la munificence d'une personne. Je suis vaincu, ça y est, c'est fini. Donc tout ce qui viendra sera munificence. Connaissez-vous des synonymes de munificence? Oui. Par exemple, largesse ou encore grande générosité. Et le contraire de munificence, c'est, oui, l'avarice. Ou encore la mesquinerie, la bassesse. Je vous laisse le temps de faire une capture d'écran. Vous avez compris? Oui? Prouvez-le-moi. Écrivez une phrase dans les commentaires et utilisez soit le mot munificence, soit le mot magnificence. À bientôt.